Et nous sommes de retour sur Smash Ultimate pour Random contre Random. Vous connaissez le principe maintenant, tout est en aléatoire, les personnages, les terrains et même les gens contre qui je me bats. Des matchs en 3 vies, 2 matchs d'affilée contre la même personne et après on laisse la place à l'autre. L'idée de l'arène est juste sur le côté pour ceux qui voudraient... Pour ceux qui voudraient rejoindre éventuellement, tout se fait à la chatte, hein, c'est le premier arrivé, premier servi. Et cette fois, oh, encore un pit, oh là là, terrible. Mais cette fois, je suis Lucario. Très bien, on va voir. Hein. La première session fut douloureuse pour moi. Beaucoup de défaites, hein, finalement. J'ai pris cher, hein, j'ai pris cher. Ah, Gladio a l'air d'avoir une connexion pas trop mal. Je suis joie, au secours. Au secours, par contre, je suis moins joie de me battre contre un pit. Et avec Lucario aussi, d'ailleurs, personnage que je ne comprends pas encore très bien, cela dit. Bon, c'est toujours mieux que... C'est ce que j'ai pu voir tout à l'heure. Ok. D'accord. Gladio, je ne sais pas si on s'est déjà battu. Je ne crois pas, hein, je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, bienvenue à toi. Hein. Que je ne t'ai pas du tout accueilli alors que tu es là depuis 5 minutes. 5 minutes qu'il attend Gladio. Hein. Il a attendu pendant toute la pub. Yes. Merci d'être offert à moi. Merci de t'être offert à moi. Attention, suicide, hein? Pas bien, suicide. La mort, c'est pas sympa. Bon, mon aura commence à monter, ça va finir par faire mal. Oula. Après, voilà. Lucario, je ne connais pas trop bien ses options pour punir l'adversaire, je vais pas mentir. Mais bon, écoutez... pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est pas dégueulasse. C'est quoi ce tilt avec Lucario déjà? Ça va vite, le tilt bas est plutôt rapide. Son tilt haut, c'est quoi? Oh, ça a l'air cool. Faudrait que je m'en serve. Genre là, typiquement, il était cool. Ouh! Hop là, petit B-reverse. Vais-je réussir à punir ça? C'était pas ouf, mais c'est déjà ça. Non. Il faut que je me lisse, il faut que je me lisse. C'est pas ouf, hein, vraiment. Je... Merde. Est-ce que ça a annulé ma boule? Oui, ça l'a annulé, il faut que je la recharge. Pour l'instant, ça va. Laura fait bien son taf, du coup. Avec 117%, forcément, hein, les attaques de Lucario. Plus il a de pourcentage, plus il fait mal à l'adversaire. Ah merde, je croyais pas l'avoir chargé au max. Profitons, profitons. Oh, ça fait mal, hein. Coucou. Des bisous à ceux qui ont rejoint le but tout à l'heure. L'histoire se répète. Tiens, c'est pour toi. Attention Gladio, tu me la renvoies celle-là, tu me la renvoies, bah, et bah tant pis. J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé de lui faire pression psychologique. Bon, il m'entendait pas, mais... Oui bah, ton aura, tu te la mets au cul, hein, Lucario. Après, ça va, c'est peut-être la VF de Pokémon dans Smash Bros, la moins dégueulasse. Pas peut-être celle de Pikachu, bien sûr. Sachant qu'il n'y a pas de VF, c'est peut-être pour ça que c'est meilleur. Police, police, booty, booby, boo, bim, boo. Bonjour. Si vous n'avez pas l'argent, achetez-en. Bah oui. Ah, Ganondorf contre Wolf. Alors, Ganondorf. Il a des nouveaux coups, il a des nouveaux coups. Il faut que je m'y fasse, hein. Faut que je m'y fasse parce qu'en fait, je suis trop habitué à ces anciens. Oh, par contre, les Wolf, c'est puissant, Wolf, hein. Ouais, voilà, ce coup-là, ce B-côté, il me terrifie. J'ai une grosse épée. Ouais, en deux coups. Attention! Bah, le shield break alors. Mange ça. Ce fut une grosse violence pour Gladio. On va pas se mentir, hein, ça arrive parfois. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et l'aura hein, de Ganondorf qui va bientôt faire effet. Oh terrible! Putain, stage de merde. C'est la faute d'un stage, je vous le jure. D'où tu me fous de sous comme ça, Taki?
T'es clé d'yado, t'es clé pour me foutre stool. Tu sais qui je suis, moi. Tu arrêtes, tu arrêtes. Wesh! Oh non! Oh non! Ah, j'ai essayé de trigger une erreur chez l'adversaire. Tout va bien, je vais gagner. Vous inquiétez pas. C'est pas très sympa ce qui vient de se passer. Complètement con de ma part. Oh non. Alors là par contre c'est... Oh putain, j'ai pas le droit de perdre. Oh. Je le savais en plus qu'il... Oh non. Putain, j'ai sauté comme un connard, je suis trop con. Mais pourquoi son... Pourquoi son bouclier il pète jamais? J'avoue que je force. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est bon, je suis en vie. Coucou. Supotap 064. Bienvenue à toi. Ouh. Chaud, hein. J'ai un peu chaud au cul malgré mes horreurs. Très bien. Très beau terrain qui nous fait voyager, ouais. Très beau terrain de sa mort, surtout. Merci Gladio, hein. Des gros bisous, Gladio. Merci pour ces deux petits matchs. Je te laisse quitter l'arène. Je rappelle, hein. Je rappelle le principe, on fait deux matchs, puis ensuite on laisse la place, peu importe hein, qu'il y ait 1, 0, 2, 0, 1 partout, voilà. Peu importe, on laisse la place au suivant pour que tout le monde, ou presque, puisse jouer. Malheureusement, c'est un peu du tirage au sort, on va pas se mentir, mais c'est comme ça, hein. C'est le principe le plus fair-play que j'ai trouvé. Tandis que J-O-U-I-R nous rejoint, je ne sais pas ce que c'est, certainement une abréviation... Le joueur du grenier, bien sûr. Qui est là? Jouir du grenier. Jouir donc, je te laisse te mettre en random, et c'est ainsi. J'espère que la connexion sera de bonne qualité. Bien sûr, si vous avez une connexion de la campagne et que vous ne pouvez pas jouer online avec des amis, ne pensez même pas à venir ici, s'il vous plaît. Ça risque d'être un supplice. Daisy, I am Daisy! Eh ben, c'est parti, hein. C'est parti pour... Ce terrain est génial, je l'adore. Vraiment, je vais passer un maximum de plaisir! Je suis le contrôle sur ce deck actuellement. Sur ce deck qui m'a fait très plaisir d'ailleurs sur les VOD du tournoi à la piste. Il a lui-même dit qu'il aimait bien mes commentaires, que c'était pas mal et qu'il avait envie de me revoir dans d'autres. Et je vous avoue que ça me fait plaisir qu'un joueur de sa trempe ait aimé mon commentaire. Bien sûr, j'aime aussi votre habit à vous. Hein. Complètement con. Ah bah non. Complètement con, lui, en fait. En fait, je les trigger. Si vous voulez, je... Putain, mais en vrai, c'était une... Putain, mais c'était carrément une technique d'edgeward, en fait, contre lui. Si je me mets derrière lui et qu'il fait son shoryuken, il va forcément le faire dans le mauvais sens. Vu qu'il se retourne face à son adversaire. Oh, la technique d'edgeward incroyable en 1v1 contre Ken. Est-ce que c'est homologué, ça? Parce qu'en vrai... En vrai, il y a moyen que ce soit ça, hein, qu'il ait fait chuter. Ah vas-y, viens, viens, vas-y, hein. Eh ben non. Bon, par contre, faut pas que je fasse le malin trop longtemps, parce que je sens que je vais mourir. Bon, je passe par là. Je suis bien, là, je suis bien, je suis bien. Par contre, tiens, vraiment, c'est un bon perso, hein. Je ne sais pas si Jouir le connaît. S'il le connaît, il faut que je sois prudent. Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi je fais ça. Dommage.
Allez, Todd, nique plus sa mère. Voilà. Todd, c'est mon vrai main. Yeah! Allez, un petit coup de poil. Vas-y Todd, Todd t'es mon gars sûr. Bah d'où ? Un petit glissé de cul. Hors de question que je lui laisse une deuxième vie. Hein. Hors de question jouir. Tu ne pourras pas jouir d'une deuxième vie de ma part. Ouf. En plein dans les couilles, je crois. Hein. En plein dans les couilles, et je pense que Ken, il aime pas ça. En même temps, peu de gens apprécient. Hein. Daisy. Bienvenue, Shuir. Pour ton deuxième match. Je sais pas, j'avais envie de lui dire bienvenue au lieu de bravo. Oh mon dieu, ah non ça va, c'est moi qui ai Pikachu, je croyais qu'il avait Pikachu et moi Sonic, j'étais pas bien. T'as décidément, ça c'est le terrain assigné à Sonic, hein, quand il y a un Sonic qui apparaît. Bon bah, Sonic, Shuir, je ne sais pas si tu aimes le Sonic. Visiblement non. Visiblement non. Visiblement Sonic n'est pas ton personnage favori. Non mais, c'est bien sûr, c'est dans... La volonté de rééquilibrer le match, parce que bon, un suicide, c'est triste, quoi. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour le spectacle. Ouais. Comment ? Do's a Mario ! Oh là ! Ça part en prod, ça. Pa 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 pa. Ce n'est pas mon style de jeu, je vous le rappelle. Comment ça ? Laisse-moi tranquille. Il m'a surpris. Un miracle que j'ai su réagir. Parce que vu mes réflexes de trentenaire... Je vous avoue, c'est assez miraculeux ce que j'ai réussi à faire. Parce que j'y croyais pas une seule seconde. Aïe! Je n'aurai pas du tech. Bah du coup, je suis un peu en stress, là. Comment ça? Ah merde, je voulais qu'il fasse une roulade, c'est pas juste. Tu as crevé, oui! N'hésitez pas à me dire que je suis chiant. Car c'est vrai! Fouh! Un peu en stress, hein? Un petit peu en stress. Et c'est une victoire pour Pikachu. Il a 27 ans, déjà trentenaire. Bah, attendez. Pourquoi 27 ans? J'ai 26 ans, calmez-vous. Attendez, j'ai 26 ans ou 27 ans? Du coup, tu me fous le doute. Arrêtez, je suis pas bien. En tout cas, merci Jouir, hein. Merci beaucoup. Des gros bisous à toi. Passe un agréable moment. Et du coup, let's go, hein. Let's go pour la suite. Alors bien sûr, si vous commencez à actualiser dès que vous voyez la personne partir sur le stream, vous n'êtes pas malin.
sachez qu'il y a un lag, il y a une latence, et qu'il y a certainement plein de gens qui le font en même temps, donc c'est de la chatte, c'est de la moule chatte, c'est tout, c'est comme ça. J'y peux rien. Bienvenue Mima. Bienvenue Mima, mets-toi en aléatoire, mets-toi bien, mets-toi à l'aise, mets-toi en string. Let's go. Viens, viens, entre dans l'arène, n'aie pas peur. Si, si, je te caresse. Et je t'invite à aller ici, regarde, j'ai préparé la place pour toi. Viens ici, tu verras comment on est bien. Let's go Mima! Je comprends absolument rien ce jeu, je viens de l'avoir, mais c'est le mindfuck complet. Ah bah, ça s'apprend. Oh Petit Mac contre Rob encore, oh bon, là là. Petit Mac contre Rob, c'est... je sais pas si c'est vraiment favorable comme match-up. Oh non, le terrain par contre, favorable à 0%. Favorable à 0% ce terrain. Oh là là, je vais passer un bon moment. Allez hop, ça part en prol. Je ne me laisserai pas battre. Hop là. J'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Je rappelle que j'ai Little Mac actuellement. Ce n'est pas facile tous les jours d'être Little Mac. Bien sûr, c'était pour pouvoir placer Thiao. J'avais besoin de le charger. Oh merde. En vrai, je suis bien là. Il peut rien m'arriver ici. Terrible, terrible histoire. Ouf. Bah alors, Rob. Ouf. Ouf. Hop là! Bon là là, terrible hein, ce match! Ouf, mauvais moment pour Mima, désolé. Désolé Mima, c'était finalement. Moi qui pensais être en mauvaise posture, j'ai su tirer partie de mon handicap. Merci, merci à tous. J'ai su tirer partie de mon handicap finalement. Des bisous Mima. Ne t'inquiète pas, nous avons un deuxième match. Qui, je l'espère, sera plus long, histoire de pouvoir prolonger le fun. Ah, ça arrive, hein, y a des mecs qui durent. Oh, j'ai Mario. Oh, je suis désolé, Mima. Je suis désolé, Mima. J'espère que t'aimes bien Riley, hein. J'espère que t'aimes bien ton personnage. Parce que sinon, tu vas pas aimer ce qui va se passer. C'est là que je fais de la grosse merde avec Mario, je vais pas assumer. Je suis déjà déconcentré tout seul à cause de ce que je viens de dire. Oh là, oh, c'est bon, c'est fini. Je vais pas réussir à jouer. Terrible. Terrible, Mima. Bon, ça suffit. On est tous les deux pareils, Red, et nous aussi on peut faire des boules de feu. Oula, j'ai pas compris. C'est pas grave, je suis en vie. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Mima, tu n'auras pas passé un bon moment, je crois. Je suis vraiment désolé.
Je suis vraiment désolé, Mima. J'ai été violent dans ces deux matchs. On dirait. Des gros bisous, Mima, en tout cas. Des gros bisous, hein. C'est le random, ça peut arriver. Je peux tomber sur deux personnages... bien Ménarax. Du coup, des gros bisous à toi. Au suivant. Ah, je suis tombé sur Mario. Il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Il y a 175 personnages, une 175, quoi. 175. Hey, Gigi. Eh, mais on se retrouve, Gigi, je crois. Hein. Je crois que c'est la deuxième fois. Enfin, la deuxième fois, pas ce soir. La dernière fois, tu étais là, peut-être. Ou alors, je confonds. Peut-être que je confonds avec quelqu'un dans les commentaires qui s'appelait Gigi. On remercierait, évidemment, l'aléatoire, bien sûr. Alors Gigi, je te laisse t'installer, te mettre à l'aise en espérant que je ne te malmène peut-être pas autant que mon adversaire précédent. Même si en soi, moi, ça me va, hein. On aurait cru que je jouais bien, du coup. C'est mon avantage, hein, bon. Ike contre Monsieur Jeu et Montre. Eh bien, voilà. Mon personnage de Fire Emblem bien connu, Ike, hein. Ça va le faire, ça va aller. Alors Gigi va-t-il piffer le 9? Le 9 de l'infini. Alors ce nouveau Mr. Game & Watch, hein, qui a quelques coups différents, que je ne connais pas encore bien, mais on va le redécouvrir. Ah ouais, c'est super dangereux, ça, je peux me prendre un 9 super facilement, en fait. Il est très curieux, ce Game & Watch, hein, quand même. Au secours. Ah, par contre, Ike, c'est moi ou il est encore plus lent qu'avant? Parce que je crois que je l'ai pas encore joué en Smash 5, Ike. Ouais, après 3 mois que le jeu est sorti. Oula. Aïe aïe aïe. Moi, je ne sais vraiment pas quoi faire contre un adversaire tel que Game & Watch avec Ike. Je vais réussir à m'adapter, je vais réussir. C'est quoi son attaque neutre? Elle est bien, ok. Son tilto est pas mal, faudrait que je sache m'en servir dans les bons moments. Genre ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ah, c'est pas là où je voulais atterrir. Tous avec Ike, vous avez entendu les amis? Ah. Tous décédés. J'ai essayé de surprendre. C'est moi que j'ai surpris finalement. Aïe 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 aïe, terrible. Voilà. Son smash haut qui couvre une très très grosse surface. Hein. Une roulade ne suffit pas contre un smash comme ça. Il faut vraiment bouger vite pour l'esquiver. Terrible. Par contre, le smash bas, c'est une très mauvaise idée. Il m'avait manqué ce coup-là, j'avais oublié. Attends, il faut que je refasse le... Super important, le... C'est mon coup préféré. Ah mais non, je voulais Suahu, pas Ether. Forcément, ça va pas marcher si c'est Ether. C'est Suahu qu'on veut. Mais non, mais... Oh, il a interrompu mon Suahu. Tu ne mérites pas de vivre, Mr. Game & Watch. T'as pas le droit d'interrompre mon Suahu. Ah. Mais non, ça a pas marché, dégueulasse. Pourtant, je l'avais fait, hein. Je vais mourir. Ouais, j'avoue, je force un peu trop. Allez, on arrête de forcer. Oh non, dommage! Oh si, dommage. L'espèce si dommage. Ah non, pas ça. Erreur. Mon Suahu a gagné. Et ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. Franchement, j'ai presque envie de mainer Ike juste pour pouvoir faire des Suahu tout le temps. J'en ai rien à foutre, je crois que je vais le mettre dans ma liste des personnages que j'ai envie de jouer. Aïe aïe aïe.
Ah, c'était tendu, Gigi, quand même. Hein. Un petit peu tendu, Axe. Peut-être parce que j'ai forcé les suèves, mais c'est une autre histoire. Oh, mon dieu, Kling contre Roi. Il va falloir que je fasse honneur à Shaima, alors. En me suicidant. Alors, Inkling, c'est un très bon personnage. Pour les autres. Moi, je sais vraiment pas la jouer. Hein. Regardez. Ça, c'est bien joué, ça. Mon adversaire pouvait vraiment pas se douter que j'allais faire ça. Et j'ai déjà plus de... Ah, tu vois. Bon allez, faut que j'essaie de bien la jouer. Quelles sont ses options déjà, Inkling? Je crois qu'aériennement, elle est bien. Hein. Ça, c'était stylé, par exemple. Par contre, faut que je fasse attention à ma jauge de peinture, j'ai pas l'habitude de cette mécanique, moi. Bah oui, mais tu fais pas donc tu peux pas remonter, c'est normal. Merde, j'étais pile à 2 cm. Ouf! Dommage, j'ai peut-être été un petit peu trop... Ça se bien. Putain, dommage, c'était bien placé pour les joueurs. Et en vrai, le personnage est intéressant du King. J'ai déjà pu assez de peinture en secours. Ça fait mal, hein, forcément. Oh non, dommage! Ah, dommage, Gigi. Ah, ça va, j'ai pas été trop dégueulasse avec... avec Linkling. Je m'attendais à être beaucoup plus pitoyable que ça, mais ça va. En même temps, c'est un personnage vraiment top tier. Il est vraiment bon, même si tu sais pas ce que tu fais avec. Hein. Terrible. Sur le personnage qu'on déteste. Alors, Gigi, je te laisse donner ta place à quelqu'un d'autre, du coup. Ah, Narinoth. Bienvenue Narinoth. C'est incroyable, le meilleur perso est fort. C'est ça. Ah mais c'était bien GG 51. Et du coup Narinoth qui est là, qui choisit son personnage aléatoire. Je sais pas pourquoi ça lui prend autant de temps, mais en tout cas c'est fait. En tout cas on notera que tout le monde porte bien l'étendard du concept. Tout le monde prend bien le personnage aléatoire et ça fait plaisir, c'est cool. Franchement c'est sympa, c'est beau jeu, ça fait plaisir. Du coup let's go pour Lucas contre la source de Pokémon. Alors dresseur de Pokémon, très intéressant comme personnage en vrai. Hein. Ah, il faut que je me pense dessus. Hein. Et Lucas, je l'aime beaucoup. Vraiment, Lucas, je l'aime beaucoup. C'est un peu mon S pas nerfé, quoi. Parce que Ness a été lourdement nerfé, ça me fait un peu chier. En tout cas, je ne retrouve pas autant de plaisir que j'avais à le jouer comme avant. Ah, la glace contre l'eau, c'est puissant, ça, normalement. Un peu long, hein. Un peu long ton animation. Lucas, tu fais chier tout le monde, hein. Heavy Sauce! Dommage qu'il ait une voix aussi. C'est bizarre qu'ils aient autant changé sa voix. Avant, il avait une voix de bonhomme à Herbizarre. Il était Herbie. Maintenant, c'est Herbizarre! C'est bizarre quand même d'en faire ça, un secours!
tout va bien. Je vais gagner. C'est dans le mental. Oh non. Bon, Neurinos, je vais pas dire. Mais par contre, c'est... franchement, il est... ça, ça a été nerf aussi. Pourquoi King K. Rool ? Son truc, il peut planter dans le sol pendant un an. Pourquoi Inkling, son truc, il peut planter dans le sol pendant un an ? Pourquoi Luca, il a pas le droit ? C'est parce que c'est un enfant, c'est ça ? Parce qu'il est blond ? C'est raciste. Ah, mon serpent n'est pas encore assez long, je suis trop petit. Encore trop jeune. Ah, par contre, ouais, faut pas que je le laisse charger son truc, hein. Terrible erreur, Naroi. Oh non, des os. Des os, pas des os, quand même. Hein. Ah non, je voulais faire un reverse grab, mais j'ai pas réussi. Ça, le reverse grab, faut que je le taffe, parce que vraiment, je sais pas le faire. Trop tôt. Despacy trop tôt. Oh non, pas deux fois. Le boss. Bien joué, ça. Bon, edge guard. Ah, pas mal, hein, Noirui. Quand même, tu m'as un petit peu fait suer avec Dragofort. Le racisme anti-enfant, un vrai problème d'actualité. Mais oui, on en parle pas assez. Lucas a déjà eu une vie de merde, laisser son Ditro enterré au moins, mais oui. C'est clair. Pourquoi est-ce qu'il a pas le droit d'enterrer les gens? Il fait genre, il enterre, puis non, ça marche pas en fait. C'est super frustrant. C'est bizarre. Pas assez de Piqué Fire. Ah non, mais Piqué Fire, c'est avec Ness. Avec Lucas, ça vaut pas le coup, les Piqué Fire. Oh, ça me semble. Ça me semble. Pourquoi pas? On dirait Samus normal, mais juste en fantasy. Ah, par contre, je sais pas le jouer. Hein. Parce que je fais le mec trop content, mais en vrai, je sais pas ce que je fais avec lui. Hein. Après, c'est un bon personnage, je crois qu'il... Aïe, aïe, aïe. D'accord. Oh, bien joué ça. Propre. Je vois plus de tâches. Bien sûr. Ce up smash de Bowser qui a deux hitbox. Enfin, qui a deux. En deux temps en fait. Il fait mal. Ah! Il fait mal lorsqu'il saute et il refait mal quand il tombe. Enfin, attention, un genre de terrain où on peut remonter par le bas. C'est bon à savoir, hein, quand même. Bon, c'est faisable. On fait pression sur le bord du terrain. Merde. Non, je peux pas faire ça! Naruinos qui a tryhard. Ah ouais, voilà, bah là, fallait me le placer, là, c'est beau. Là, c'est une très très belle punition de mon rattrapage merdique. Bien joué. Dommage. Mais quoi? Pourquoi il a fait une deuxième roulade? Je vais jamais demander ça. Ah, je crois qu'il a pris mon grappin pour une roulade. Faudra que j'apprenne à utiliser offensivement les grappins. Parce que ça peut être super intéressant, ça, en vrai. J'aime bien.
J'aime bien le feu. Ça me rappelle le Johnny Hallyday, tout ça. Je vais finir par faire la même connerie. Hein. Oh non. C'est pas très mal ça maintenant. Oh non, oh. Terrible. Super mauvaise option que je viens de faire. Oh non, dommage. Dommage, il pouvait revenir largement. Peut-être une erreur d'input ou un petit lag. Ça peut arriver. Dommage, dommage, Noël. En tout cas, c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Des gros bisous. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Et au suivant, ouais. Au suivant, il est 21h50. 21h50, on a encore un petit peu de temps devant nous. Ah, merci, Noël. Noël qui est sur le chat. Qui est sympathique, je t'invite à quitter. N'oublie pas de le quitter, merci. Bisoubi. Sombre. Les annonces soniques sombres, bien sûr. Alors, Wolfka. Ah, Wolfka, ça me dit quelque chose. Je sais plus si on s'est déjà battu. J'y sais plus. Mais en tout cas, on se met en aléatoire, on se met dans la petite arène et on se met à l'aise, mon pote. À l'aise. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Isaac. C'est faux. Il y en a eu il y a moins d'une semaine. Wolfka qui a Wario et moi Duodoc. Voilà. Alors, désolé d'avance. Je vais être relou avec Duodoc Hunt. Parce que je ne sais pas le jouer. Enfin, un petit peu, quoi. Ah, c'est vrai qu'il a changé. C'est vrai qu'il a changé, ce moment-là. Merde. Je sais pas du tout si Wolfka sait ce qu'il fait avec Wario, après. Mais... Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ça se passe bien. Allez, ça dégage, bré. Je pense que Wolfka ne sait pas trop quoi faire avec Wario. Il a pas l'air en tout cas. Je me trompe peut-être. Hein. Quoi? Le chien vient totalement de passer sous la moto, hein. Vraiment. Ouais, non, je crois qu'il sait pas, parce que sinon il aurait pas fait le B vers le bas. Dommage. C'est ça, random versus random. On prend les personnages que parfois on ne connaît pas. Eh, d'où tu fais mal à mon copain comme ça? T'as pas le droit. Au secours. Allez, envole-toi vers le ciel, petite canette! Quoi? Oh non! Terrible. Tu vas tout calmer, le gars derrière là? Eh ben, il cherche sa moto. Où qu'elle est la moto? Où qu'elle est la moto? Elle est là la moto! Triste histoire. T'as vu ta moto? Elle est là. Bim! Elle est ta moto. Attends, attends, je te ramène. Elle est là. Oh non. Ah, j'ai mal. Dommage, j'ai failli Tristock. Ça me prendra à faire le con un peu. Voilà, salut l'artiste. Bon, j'espère que tu auras un meilleur pick, un personnage que tu connais peut-être un peu mieux, Wolfka, désolé. Hein. C'est le concept. C'est random versus random, hein. Je trouve dommage que Wario, quand tu manges la moto, elle est plus réutilisable direct. C'était pratique. Bah, c'était pratique, mais ça aurait été un petit peu pété. En vrai, c'était un petit peu abusé. Wario était... Wario méritait un léger nerf à ce niveau-là, je pense. Respect Wario. Cette fois... Ah, Simon contre Peach. Simon, on dirait presque le grand-père de Peach. Dans un monde un peu plus réaliste. Tout l'ancêtre. Alors du coup, là, il me suffit que je fasse ça, c'est tout le temps. Terrible, Wolfka, terrible.
Je lui laisse quand même, ça va. Alors ça peut être terrible, hein. Dans ce stage il peut se passer des choses vraiment terribles. Aïe. Quoi? Tout va bien se passer. Voilà. C'est ça que je voulais dire par il peut se passer des choses terribles. Des choses comme ça. Tu viens? Tu viens, piche? Bah non, mais... Ah bah non, mais si tu... Ah, c'est gentil, après. Hein. Moi, je revenais vers toi, du coup. J'aime bien les bons timings comme ça. J'essaie de faire des... Des bébas reverse. C'est super dur. La hache, la hache. Hache, 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 hache. Ça fait mal. Ça fait mal une bonne hache. Des bisous, hein. Des bisous, Wolfka. Ça aurait été douloureux, mais le plaisir est là quand même. Le plaisir. Le plaisir reste ici. Cette rencontre a un problème entre Peach et ce personnage de Fire Emblem. Ah, j'adore. J'aime cette blague. Alors, qui sera le prochain Youssef? Oh, ça aura été vite, là. Youssef rejoint la bataille. Youssef is in the place. Alors, Youssef, que nous réserves-tu, mon cher Youssef? Un petit personnage aléatoire, certainement. Tu es en train de le sélectionner et tu es là. 3, 2, 1, il est là et c'est parti, c'est gagné. Moi, je dis c'est gagné, on sait pas. Mais je prédis une victoire de Youssef. Ah bah tiens, bah c'est à son tour le Prince. Et moi j'ai donc Éconge. Le fameux, bien sûr, rival de Bowser dans Super Mario 72. Alors comment faire? Comment se battre contre un ennemi avec autant de projectiles quand on s'appelle Donkey Kong? Qu'on fait 300 mètres de profondeur! 300 mètres carrés de surface! Ça veut rien dire. Alors faut savoir que Donkey Kong, je l'aime bien, mais je le connais pas bien. Enfin, je le joue mal. Je l'aime bien, mais... Oh non! Oh, terrible erreur! Terrible! Ah non, ça n'a pas marché. Il faut faire attention, hein. Oh non, Youssef. Fais attention à toi. Ne meurs pas trop jeune. S'il te plaît, mange équilibré. Ouf! Le singe va rentrer dans sa cage. Bon, faut que j'arrête de faire le même coup tout le temps, hein. Ça suffit. Terrible. Je vais pas du tout aller dans cette direction-là, mais on grand bien m'en face. Ouh. Je dirais que Youssef sait ce qu'il fait quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il a fait... Pas grave, je reviens là. Je vais me battre. Parce qu'en vrai, je pense que sans son erreur, là, il me défonce, hein. Je pense que le base de Youssef est largement meilleur pour Donkey Kong. J'essaie de m'adapter. J'essaie de m'adapter et de jouer mieux. Il faut admettre que c'était stylé ce que je viens de faire. Ouais, on peut le dire. C'était super risqué parce que si je le ratais, je mourrais, hein, vraiment. Au final, je suis mort 2 secondes après. Hein. Oh non, dommage. Trop dommage. Eh bah, ça aurait été violent à la fin. Le final aurait été violent. DKT Youssef, on a un deuxième match.
C'est parti. Et cette fois j'ai Kinch qui roule. Bah on a tous les personnages de Kirby, c'est terrible. Personnage bien sûr de Donkey Kong. Bah c'est bien, il manque plus que Diddy Kong et bah j'ai déjà fait tout à l'heure cela dit. Par contre dégueulasse hein. Horrible. Désolé d'avance tout safe hein, ça risque d'être douloureux. Quoique, je joue pas bien à King K. Rool moi. Preuve en est que j'ai failli me faire défoncer mon bouclier. En vrai je joue terriblement mal King K. Rool, alors qu'il est pourtant si fort. Ah oui, c'est vrai que bah du coup il vient de me la voler en fait. Oh là là. Oh. C'était presque stylé ce que je viens de faire. Ah, d'accord. J'étais très surpris. Bon bah finalement c'est pour moi que ça va être la douleur. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Back in the game. Il faut juste que j'aille vite. Terrible ce que je viens de faire, grosse erreur. Voilà, j'ai attendu le roll. Dab. Toujours dabé avec King K. Rool, c'est important. Pas mal ça. Hop là, je t'attendais. Allez, allez, terrible. Oh. Boum! Oh non, dommage, j'ai été trop lent. J'ai réagi lentement, c'est dommage, parce que j'avais lu le rôle vraiment. Quoi? Ouf! Ouf! Faut pas que j'oublie, hein. Je peux renvoyer les projectiles avec mon bidon. Avec mon petit bidou. Reviens. Ouf. Allez hop, on revient. Avec King K. Rool, ce personnage facétieux. Au secours. Dommage. Allez. Oh oui! Oh, dommage. Ouh. Eh, c'était chaud, hein. On voit que j'ai du mal avec King K. Rool quand même, hein. Malgré le fait qu'il soit bien pété. Ah, il est pas si pété que ça. Hein. C'est prouvé par la science que finalement il est pas si pété que ça, mais il faut bien savoir le jouer. Merci Youssef. Des gros bisous. Des gros bisous, Youssef. Je te laisse céder ta place pour quelqu'un d'autre. Ah là là. Tendu, hein. Tendu ton axe, mon pote. Bon candidat. C'est vrai. C'est un bon candidat. Et cette fois, c'est Skizroi. Je sais pas pourquoi je le dis avec cette voix. Je sais pas. Skizroi, bienvenue à toi. Et vas-y, mets-toi à l'aise, installe-toi, mets-toi en petit aléatoire si tu le sens. C'est bien, hein, personne n'aura voulu aller contre la règle. Sachant que c'est autorisé, hein, c'est autorisé vraiment si vous ne sentez pas de prendre l'aléatoire. Parce que vous connaissez quasiment aucun personnage, ça va, vous avez le droit. Mais bon, le concept est là, quoi. Alors, c'est qui? Oh, j'ai enfilé la bille. The French Frog!
Alors. Bon, la question va être de savoir si... est-ce que Skizoa. Oh mon dieu, c'est fluide de ouf! C'est. Oh, c'est. Oh non, je peux pas jouer dans ces conditions, désolé. Je me suis habitué au. Je me suis habitué à ce que ça soit laggy. Alors, par contre, alors. Il faut que je tire les enseignements de. Faut que je tire des enseignements de mon entraînement. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui suivent régulièrement les lives, on s'était entraîné avec Amphinobi. Je voulais faire un tilt, d'accord. Je me suis suicidé, mais c'est pas grave parce que je vais gagner quand même. Bon, tu étais tout de suite ciseaux. Putain, au secours. Putain, j'aurais pu le punir. Ah, il a l'air de bien jouer ce Skizoa, ça veut dire. Par contre, ces mouvements de Rondoulou sont tellement rapides. C'est parti! Oh, c'est con, il aurait pu tech! En tout cas, c'était bien tenté de sa part, c'était le beau jeu. Parce que faut être sacrément couillu pour tenter ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je suis un ninja. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Ça connecte bien ça. Hein. BitConnect! Pardon, j'ai besoin de me détendre un peu. Je suis. Voilà. Ah, il l'a senti venir. Quoi. Beau gosse. Ah, il est beau. Oh, c'est trop con ce qu'ils ont. Trop con ce qu'ils ont. Mais c'était super stylé. Franchement, ce qu'ils ont, il est là pour le beau jeu, ça se voit et c'est cool. Ça se voit que ce qu'ils ont, il veut faire des mobos. Quoi. Ah merde, j'ai pas tech. Contre moi. Contre ma race. Skizoa, il est là pour déconner aussi. Hein. Il est là pour apprendre en s'amusant. Il joue bien. Il joue vraiment bien, c'est agréable. Ça va parce qu'il joue bien, il y a une bonne connexion. Il y a vraiment pas la grâce, hein. Ah. Ouais. Franchement, si... Oh, dommage. Dommage, parce qu'il aurait vraiment... il était à ça de gagner, hein. Putain, bien joué ce qu'ils ont, hein. Très bon premier match. Eh, hey, mon entraînement sur Amphinobi m'a permis de résister à ce match. Si j'avais pas entraîné Amphinobi la dernière fois au pif, ça aurait été chaud, hein. Et là, faut savoir que je le maîtrise pas en Finobi quand même. Mais je suis bien content d'avoir ajouté cette petite corde à mon arc quand même. Même si, bon, on n'est pas à ça, hein.
On n'est pas à ça de mourir, mais... Oh mon dieu, Islambears. Les Islambears, bien sûr, le Fire Emblem. Contre Falco, oh non, oh ce terrain encore. Voilà. Bon alors, Islambears, je sais vraiment pas quoi faire contre eux. J'ai pas l'habitude de mode contre Islambears encore. Après, je sais pas si Skizoa connaît les Fire Emblem. En tout cas, Rondoudou, il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, clairement. Hein. Rondoudou, il me fera pas croire que c'était la première fois qu'il jouait. Hein. Mais je pense que Skizoa, c'est un peu un mec comme moi, il aime bien essayer de maîtriser un maximum de persos dans le jeu. Ah, dommage. Alors, ouais, Falco. Falco, il est bien. Hein. Faut que j'apprenne à le jouer bien. Faut dégager, hein. Merci. Ouais, Falco, c'est vraiment un personnage qui est cool, mais que j'ai jamais tryhard. Mais je crois qu'il a quand même un peu plus de mal avec Islanders. Hein. Clairement, Rondoudou, je pense qu'il a eu de la chance lorsqu'il est tombé dessus. Ça devait peut-être être l'un de ses mains, peut-être. Il me le dira sur le chat s'il est là. Ou le terrain, je crois, il m'a sauvé. Hein. Ouais, là, c'était inévitable. Ouh, ouh, ouh. Quand tu chopes pas le bon Islambears, t'as trop le seum. Hey, il revient bien, hein, petit salaud. J'avais l'avantage en l'air, c'est pour ça. Oh, dommage! Trop dommage qu'il ait pas pris le bord. Ah ouais, putain, on y revient bien, ce bâtard. Clairement, il sait ce qu'il fait, hein. Skizoa, ça te dit d'être là pour un tournoi un jour? Je me suis suicidé, j'ai pas fait exprès. Ah putain, il se la pète en plus. Bâtard. Clairement, ça c'est le spot pour Falco, ça. Il peut rien faire en revenant du terrain en fait, c'est pour ça que j'ai gagné tout à l'heure. Parce qu'il peut rien faire en revenant. Il a aucune option pour contrer ça, quasiment. Oh, dommage! Dommage, parce que là, le coup du Tomar sur le côté, ça aurait marché. Mais bon, comme il était tout seul, c'était vraiment chaud pour lui de revenir. En tout cas, GG, ce qu'ils ont. Hein. C'était les bons matchs! GG, ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, n'hésite pas à m'ajouter sur Facebook. Je rigole. C'est très sympathique en tout cas. Très très sympathique, Skizoa. Merci pour ce match. Au plaisir peut-être plus tard. Et bienvenue à toi, Akitsulo. Akitsela. Aki, à direct prix aléatoire peut-être. Ah non, il veut jouer Mario. T'es sûr, tu veux jouer Mario? Il dit ok. T'es sûr, Akitsuro, hein. Tu as le droit. Je te laisse juste 2 secondes pour réfléchir. Il a l'air sûr de lui. Ah non, ça y est, il vient de se rendre compte qu'il avait pas mis en aléatoire. Ok, Games Docker. Ok, c'est parti, Akitsuro. C'est moi, Chizuo. Ah, ok. Bah, Game X Docker, au plaisir, hein. Franchement, vraiment, c'est cool. Oh mon dieu! Yoshi contre gros Yoshi, regardez, c'est le même personnage. Il se ressemble à s'y méprendre. Alors Yoshi, l'un de mes personnages préférés. Voilà, que j'aime bien jouer. Après, suis-je bon avec? Le mystère reste entier, mais à skip, pareil, je détruis pas mal mes potes avec. Donc c'est déjà pas mal. Après, mes potes sont pas des top players, on va pas se mentir, mais...
En général, j'arrive bien à me débrouiller. Je me suis pris un dommage gratuit, mais j'ai essayé de jouer le beau gosse. Sauf que Yoshi, c'est un pic vraiment très... très désavantageux pour Donkey Kong, je pense. Hein. Même si je suis très léger par rapport à lui, hein. Ah, what? Ah, erreur. Oh, dommage. Bon, ça suffit. Hop là. Ouh. Ah merde! J'ai été dans, sur le côté, mais à cause du B, ça n'a pas marché. Je vois ça. Il joue pas mal à Kitsuro aussi, j'ai l'impression. Hein. Il est patient aussi, pas mal. C'est bien. Oh! Surprise. Oh, ça fait être critique pour lui de faire ça. Ça va que j'ai une vie d'avance. Allez hop. Pas mal, hein? C'était pas mal ça à Tsuko, je sais plus. J'ai tellement mauvaise mémoire, c'est horrible. Akitsuro. C'était beau ça. Allez, deuxième petit match Akitsuro. On va voir sur quoi tu tombes. Sur quoi je tombe aussi. Là, j'ai eu de la chance, je suis tombé quand même sur Yoshi, hein. Oh, et Link. Ouais, là, je suis plutôt chanceux, hein, Kitsuro, je vais pas te mentir, j'ai quand même deux personnages que j'apprécie. Après, ce nouveau Link, je le maîtrise pas aussi bien que je pouvais maîtriser avant, mais... Ah, et merde, c'était un petit. Bon, alors, Samus tombe, va falloir que je vois ce que je fais contre ça. Ah, ça le fait plus... D'accord. Ça fait mal qu'au début, ça? Putain, j'ai vu une combo horrible avec le Link. Un espèce d'infini horrible. Jamais je saurais faire ça, moi. Quoi? Déjà, je sais même pas comment utiliser la bombe pour remonter sur le terrain. Ah, c'est vrai, tu peux faire ça, putain.
Oh! Ah, ce Edge Guard à la bombe! Attends, bien joué. Oh merde! J'ai pas fait exprès de remonter. Merde. Bah écoute, si je peux faire ça, autant le faire. Hein. C'est un bon terrain pour moi, pour que je joue avec mes bombes, mine de rien. Je pense que ce terrain est vraiment à mon avantage par rapport à Samus. Hein. J'ai vraiment de la chance sur le random là. Il y avait beaucoup trop de pourcents pour que ça marche. Je m'amuse avec ma bombe. Hein. Ouf. Ouh là là. Ça picote. Bon, il faut pas que je relâche ma vigilance parce que Kitsuro, c'est ce qu'il fait. Hein. Clairement. Ah merde. Complètement con de ma part. Mais je suis con ou quoi? Quoi? Mais pourquoi il s'est pas accroché ce connard? D'accord. Alors par contre là... Je vais me suicider. C'est un peu prévisible ce que je fais. Allez hop. Ah, chaud quand même. Hein. Chaud, chaud, chaud. Bonjour. Bijouré. Gilet jaune. C'est un terrain terrible pour Samus parce que ses charges de shots sont bloquées par des points du terrain. Ouais, non, mais totalement. Le terrain était quand même grave à mon avantage, ça c'est clair. Hein. Non, ça va, je commence à avoir assez d'expérience maintenant pour pouvoir voir les avantages et inconvénients du terrain par rapport au personnage. Et c'est comme ça, hein, c'est les ficelles du random contre random. Hein. Bah, c'est Getsuo en tout cas. C'est cool. Hein. Sulu serait très handicapé sur ce stage. Ah, ça. Je vais me moucher. Bonjour, Zieber. Bienvenue à toi, mets-toi en random et toi à l'aise. Ah, attention, tu n'es pas en random, Zieber. Est-ce que tu es sûr? Tu as le droit de jouer à Inferno, je te laisse quelques instants. Ah, mais Brunol, tu es là? Ah, mais Brunol, des bisous. Bienvenue à toi. Faut qu'on se capte un de ces quatre sur Discord, un truc comme ça. Je sais pas si tu m'avais ajouté sur Discord, je t'avais envoyé là. Je t'avais tout envoyé en MP quand on s'était parlé. Let's go. Voilà, par contre, le terrain, oui, avec les projectiles délicats. Ah non, mais c'était terrible, hein. Le terrain était complètement à l'avantage. Mais c'est ça, hein, c'est le délire du... Ah bah tiens, bah... désolé, hein, je t'ai piqué ton fait l'inferno. Mais bon, ta King qui roule, c'est pas dégueulasse non plus. Oh, terrible. Oh putain. T'inquiète pas. Et merde. Bon, par contre, Chinkiroul, je sais pas jouer contre.
peux jouer tout court après. C'est quoi déjà, c'est quoi faire Inferno? C'est ça. Ah merde. Bien joué. Bien joué la chope. Je m'attendais vraiment à un coup. Putain. La chope, faut que je lui fasse, hein. Je connaissais pas cette chope de King Kirul. Hop là. Ou 25% d'un coup? Merde. Oh là là. Insupportable, insupportable King Kirul. Dommage, il aurait tellement pu me match guard. Il s'attendait peut-être pas à ce que je revienne. Oh, bah oui, forcément, s'il me fait les chops, je suis dans la merde. Faut que j'arrête de compter sur mon. Ah. A King Kirul, je sais ni le jouer ni jouer contre. C'est vraiment terrible. C'est dommage parce que, quand même, c'est pas un personnage si fort que ça. Quand on connaît ses. Quand on le connaît, on punit facilement. Hein. Voilà. J'aurais peut-être pu finir plus vénère que ça. Hein. Quoi? Ah, j'ai raté. Ouf. J'ai tenté un trou chelou. Bon, j'aimerais bien lui enlever au moins une deuxième vie. S'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Je suis mort. Je vais essayer de me battre. Hein. Je vais essayer de me battre. Il faut que je revienne. Ouais, c'est mort. Quoi? Il a duré beaucoup trop longtemps là, son contre. Je suis mort. Oh, ça va. Oh. Ce serait fou que j'arrive à gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle s'adapter et se battre. Wow! J'étais pas prêt pour gagner. J'étais pas prêt de gagner. Je m'y attendais pas. Je regarde vite fait le chat, 2 secondes. La remontada! Eh oui, la remontada! Merci! Zimbandidim. Allez, deuxième petit match contre Zieber. Et après, on passe à quelqu'un d'autre. Bah Zieber, tu es... On t'attend. Appuie sur A. Ah, Zieber qui a le seum. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon? Tout va bien. Tout va bien. J'ai qui? J'ai pas vu. Oula! J'ai Squall de Fire Emblem. Moi aussi, je peux changer les trucs. Hein. Bon, alors, Cloud, je ne le joue quasiment jamais. Je pense que j'ai trigger un maximum de monde avec Squall de Fire Emblem, c'était terrible. Je sais pas jouer Cloud. Comment ça joue déjà, Cloud? C'est quoi son neutral? Il est bien, ok. Ah ouais, non, mais il est bien partout, lui, c'est vrai. Faut juste que je sache bien placer ses coups. Ok. Je voulais juste ma...
Ma limite, maintenant c'est gagné. Par contre, ouais, je sais pas le jouer. Je sais pas le jouer. Ça s'en va? Ah non, bon tech. Bon candidat. Merde, j'ai cru que c'était un contre. C'est ça, à force de dire Fire Emblem pour tous les caractères. Caractère, putain. Incroyable, bilingue. Oh, pas mal, ça. Ah oui, son nerf est si fort que ça. Je vais tenter un truc, écoutez, je suis là pour tester. Hein. On est là pour apprendre en s'amusant. Oh putain, pourquoi il m'a pas fait vers l'avant, il est con? Enfin, il est con, peut-être un peu violent, on va pas se mentir. Mais il aurait pu carrément me tuer, quoi. Ce qui est un avantage non négligeable dans un jeu où le but est de gagner. Putain, il avait mis l'occasion de tech, je crois qu'il a été trop confus. Pauvre Zieble. Ma limite va bientôt être chargée, je vais bientôt pouvoir te faire mal avec un gros coup qui fait très mal parce qu'il est chargé. Bah bon vélo. Je suis dingue, moi. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire tout à l'heure. Ah, je suis pas tech non plus. Eh oh, ça c'est une remontada digne des plus grands, ça, hein, attention. Hein. Ce terrain, c'est le terrain des remontadas, c'est un truc de ouf. Hein. À chaque fois qu'on fait un combat là-dedans, il y a une remontée. Aïe aïe aïe. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas, Samus. Je lis dans ton jeu. Loin de moi l'idée de fuir, bien sûr. Je suis trop con. Quoi? Je viens t'es mort. Tiens, lâche. Bien joué, ça. Je vais mourir, hein, je le sens. Oh, oh putain, tu m'as offert beaucoup de plaisir, toi. Hein. Putain, le temps de remontée exceptionnel. Zieber, wow. Oh, je suis à la fois content et désolé. Deux fois, je te fais un match où tu penses gagner, et à la fin, pouh, je reviens. Bah merci beaucoup Zieber, vraiment deux bons matchs, hein. Deux très très bons matchs avec deux personnages que je maîtrise pas non plus de ouf, mais ça fait plaisir de toucher, de tâter. On tâte du terrain. C'était pas gagné hein, celui-là non plus, hein, la vache. Ah. On sent que ça commence à faire quelques heures que je joue, là. Hein. Hey Conker, comment on se retrouve depuis le dernier random contre random. Voyons voir ce qui va se passer par rapport à la dernière fois. Hein. Mets-toi à l'aise, installe-toi, mets-toi bien, tu prends random, mais on se met bien. Là, petit joint de rue. Eh, Bozetti. Conquer Bozetti, c'est parti. Désolé à ceux qui tryhardent pour rentrer et qui n'y arrivent pas. Hein. C'est la dure loi du jeu vidéo. Ah, Zelda. Oula, Zelda, faut que je fasse attention. Oula, oui, surtout dans ce terrain. Ok, Zelda que j'aime bien, mais que je ne joue pas souvent. Il a cassé mon jouet! Comment ça joue déjà, Zelda? Ça, c'est fort, oui. Ça aussi, c'est fort.
Je vais y arriver un jour, je vous jure. Conquer Bee, je crois qu'en plus il jouait pas mal. Hein. Du coup là je suis un petit peu en difficulté. Voilà. Comment ça? Chou! Je vais me demander ça moi! Et le Père Noël alors? Putain, Père Noël il existe vraiment pas, hein. C'est pas ce que j'ai demandé à Noël moi. Je voulais aller sur le côté, moi, pas en haut. Oh, je me fais enchaîner. Un Conkirby qui est clairement sur un Yoshi solide. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Non plus. Ah, je suis très déçu de ce qui se passe actuellement. Ouf, j'ai de la chance qu'il soit tombé dedans. Tout simplement inouï. Merci beaucoup. Coucou Lunatique, je suis content de te voir stream sur Smash même si tu joues Clown. Vraiment trop simple ce perso mais j'adore le jouer aussi. Mais je joue en aléatoire. C'est pas moi qui choisis. Et je vais me battre un Conquer, attention. Hein. Tu l'as bien vu, hein, je suis pas du genre à me laisser faire là. Même si clairement je fais des grosses erreurs depuis tout à l'heure mais... Je vais pas me laisser faire. Merde. Con. Ouh! Alors ça, c'était beau! Alors ça! Ça, franchement, je suis... Je vous avoue, je suis refié. Oh là là. Ah là, je joue bien. Je vais gagner. Là, c'était complètement con de ma part. Je vais perdre. Pour quelle raison obscure est-ce que celle-là n'a pas marché? Oh non! Oh. Un scandale. Oh là là. J'ai eu chaud au cul. On aurait tellement pu me punir mieux que ça. Oh putain, j'aurais pu punir ça. Si j'avais pas fait une roulade comme un connard. Ça rebondit ça maintenant? Ok. Pfiou, c'était chaud hein? C'était chaud Conkirby. Putain, j'ai que les combats chauds là depuis tout à l'heure. Au secours! Au secours! Bon, après c'est bien, moi je suis chaud patate hein! Météorifique, je ne m'en lasse pas, ouais. Je sais pas, je connais toujours pas mes petits boutons là, je sais pas ce que ça fait. L'éthique inflige un total de 100 KO. Ah, ça veut dire que j'ai quand même pas mal joué hein, déjà. C'est-à-dire que quand même penser à falloir dormir hein. Penser à falloir dormir. Oh, Marie, oh attention, attention Marie. Marie, on s'est entraîné avec la dernière fois, mais c'est pas encore ça, hein. Ok, on va voir. Alors Marie, il faut faire des tilts, tout le temps. Il n'a pas les smash, comme je viens de le faire. Connard. Surtout que je peux... Je ne sais pas quoi faire contre ce perso-là. Ah, si j'arrive à lui piquer une hache, c'est il faut que je joue plus avec des... Quoi? Est-ce que quelqu'un m'explique ce qui est en train de se passer? Oh là là, je sais... Ah, et Conkirby utilise bien ses, ses options depuis tout à l'heure. Et moi, non. Clairement, on va partir sur un nom. Quoi? Ah oui, d'accord, j'en avais déjà planté, hein, c'est vrai. Ah bah, c'est fait pour faire mal. What? Déjà? Oh, ma rage de 142% a dû aider, je pense.
Mais oui, la canne à pêche! J'avais oublié ce move des enfers! Comment j'ai pu oublier le pire move du jeu? T'as cru quoi, toi? Toute la peine, non mais attends, t'es qui dans l'e-sport? Bon, d'accord, au bout d'un moment, il fait que je vire. C'est con, j'ai pas tech. Si j'avais tech, c'était bon. Qu'est-ce qu'il fout? Merci. Ah, j'ai raté. Ah, c'est marrant. Je l'ai dit sur le même ton qu'Orelsan, ça m'a fait rire. Hop là, tiens, tu veux le jouer? Je te le rends. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Depuis quand? Oh non! Terrible! Oh non, je suis presque triste. Tout simplement, inouï. Merci. Je suis content d'être dans le présent et de pas regarder une rediff pour une fois, visage soulagé et apaisé. Quel effet ça fait d'être dans le futur de 2019? Sinon big up à moi dans le futur qui regardera la VOD, visage du GG. Merci beaucoup pour le petit soutien en tout cas. Des bisous. Bon, je vais essayer de tirer un peu plus parti du personnage. Ouf. Eh bah ben finalement, je me suis bien débrouillé avec Marie, hein. Ouh. Ça va. Du coup, merci beaucoup, il faut que je regarde le pseudo. Parce que là, j'étais en train de me taper dessus. Que ça tape. Merci beaucoup du coup à J'ai un gros easy et Tendozer pour vos deux petits dons de NLO. C'est peut-être 1€ mais dans mon cœur ça vaut 1€. Je sais pas, j'avais pas de vanne, du coup j'ai dit de la merde, désolé, ça arrive. Il y a des moments comme ça où on n'a pas de vanne parce qu'on joue trop à Smash Bros. Merci pour votre petit soutien à J'ai un gros easy. Et Tendozer. C'était écrit de manière très sympathique. Mais j'ai lu ton pseudo... Ah, Pac-Ben, bienvenue à toi. Il est quelle heure là, 22h42? Combien de temps qu'on stream? 3h17 de stream. Un maximum de plaisir. C'était rapide? Non, c'était pas si rapide que ça, Concurvé. Qu'est-ce que tu racontes? C'était super... C'était super Tordax. Allez, let's go! Voyons voir ce qui est... Oh là, Harmonie Luma contre... Ah, j'aurais bien voulu l'inverse, hein, Pac-Man, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller avec ce personnage horrible qui est Harmonie Luma. Bon, horrible, non, il est sympa. Oh, c'est un terrain sympa, ça, je crois. Ça va. Il faut savoir que Harmonie, je ne la joue pas vraiment souvent. Parce que, bon, les gens n'aiment pas jouer contre en général, donc du coup, j'essaie de leur éviter ça. Eh, reviens, toi. Eh, là, vous se barrez, le Luma, là, avec vos coins. Salaud. Pac-Ben qui s'attaque à mon bébé. Hop là. Hop là. Allez. Allô? La connexion internet? Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de lag, j'avais oublié l'existence des lags. Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce qui vient de se passer? Nintendo, expliquez-moi ça. Reviens Luma! Il est mort. Il est mort. Ce sont des choses qui arrivent, voilà la mort. Mon grand-père est mort aussi, d'accord? C'est vrai, hein. C'est pas une blague, je ne moque pas des gens qui ont un grand-père mort. Mes deux grands-pères sont morts, donc on leur emmerde. Rude. Oula. Oula Pac-Ben. Je suppose que ton main c'était Pac-Man? Ou alors pas du tout. Ah
Au secours. Reviens, Luma. C'était bien tenté, Pac-Ben, mais je ne suis pas né de la dernière pluie, mais de celle de juste après. Pour ceux qui connaîtraient éventuellement des combos avec Harmony Luma, vous étonnez pas si je n'en fais aucune, c'est parce que je ne les connais pas moi. Terrible. Reviens, Luma, reviens. Je crois qu'il est mort. En tout cas, moi je résiste, hein, Pac-Ben. Tu tues mes Luma, mais moi tu ne mourras jamais. Oh! Ouf! Pas vu venir celui-là. Slow motion. Aïe aïe aïe. Hop là. As-tu vu le Luma? As-tu vu? Comme elle est fort. Tu n'es pas safe ici. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Oh, j'ai pris si cher. Mon Luma est mort encore? Mais non, mais arrêtez. Oh, arrêtez de faire mal au Luma comme ça. C'est dégueulasse, tiens, casse-toi. Voilà, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête. Hein. Ça va, je me sers de mon Luma, regardez. Vous êtes fiers de moi ou pas? Franchement, ça va, hein. Pour un personnage que je prends jamais. Là. Ça aurait pu être plus dégueulasse. Tout simplement inouï. Aïe! Mes visages souriants t'avaient manqué, n'est-ce pas? Les fêtes de Nonel étant finies, je peux à nouveau te ravitailler en euros tout beau et tout jojo. Le Nonel. Avec bien entendu. Mes visages souriants, et je dirais même, visage très souriant, grand sourire. Merci beaucoup, Tendo. J'espère que que pour Noël, tu avais gardé plein d'argent pour tes proches. Pour leur faire des beaux cadeaux de Noël. De Nonel, même, d'après la voix de... Par contre, je relâche la... Voilà. J'allais dire, je relâche la pression, et c'est pas bien. Merci encore, en tout cas. Alors par contre, je te rappelle encore une fois, un don de 1 euro, c'est pas un don de 1 euro du coup, c'est un don de 70 centimes, 60 centimes. Alors je le redis au cas où. Ce que je rappelle encore une fois, les marges que se prend PayPal sur les dons de 1 euro, et c'est la marge maximale vu que c'est les plus petits dons qu'on peut avoir. Oula, NES contre Pichu. Eh bien allons-y, let's go, hein, c'est parti les amis. Bon, NES ça va, je l'aime bien, même si il était sacrément nerf, je trouve en tout cas. Il ne me plaît plus autant qu'avant. J'avais dit à Bronol l'inverse sur Twitter, mais en fait, littéralement un jour plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Ouais, par contre, une terrible erreur. Ça lag un petit peu de ton côté, Pac-Man, hein, quand même. Aïe. Oula, calme-toi, Pichu. Quoi? Pardon? Comment ça? Est-ce que je peux absorber les Fatal Foudre? Il va si loin si vite. Haha, tu t'attendais pas à celle-là, hein? Tu pensais pas que j'allais venir directement en vertical, hein? Eh ben moi non plus. Non, c'est faux, je savais, mais je trouve ça drôle déjà, mon opinion. Piqué Fire! Piqué Spammer! Ah non? J'ai fait le mauvais DI, ça va. Oups là.
suis pas né de la dernière nuit, hein. Ouais. Hop là. Et ça part, hein. Eh ouais, mon pote. Eh, je connais comment ça marche, les bijoux, hein, à force. Putain, ouais, du coup, 3 stocks, hein. Propre. Propre, propre. En tout cas, merci Pac-Ban, hein. Des bisous, des zibous. Tout simplement inouï. Tout simplement. Merci, mon cœur. GG pour les matchs, Luna. T'es tombé sur deux de mes mains quand même, mon salaud. Ah. Tiens, pour la peine, je jette mon argent sur ta personne. Bon, écoute, moi, je veux bien. Si chaque personne contre qui je joue me donnait de l'argent, ce serait un plaisir. D'ailleurs, nouveau concept à venir, hein. Pay to win. Si vous voulez gagner contre moi, vous pouvez donner de l'argent. Ce sera des matchs en 5 vies. À chaque fois que vous me donnerez 3 euros, je m'enlèverai une vie. On pourrait vraiment croire que c'est un vrai concept, hein. Calmez-vous, ça se n'arrive. Ah, tiens, Carap. Fait longtemps. Calmez-vous, ça n'arrivera pas, hein. Je ne ferai pas pay to win. Même si je trouve ça très drôle. Franchement, je serais presque chaud pour le tester. Voir s'il y a vraiment des gens qui donneraient de l'argent pour ça. Bon, du coup, Lucina contre Samus. Et c'est moi, Lucina. On peut aller là? Non, on peut aller là. Alors, Lucina, très intéressant. Après, avec moi, un peu moins, on va pas se mentir. Hop là. T'as de la chance, hein, que... Ah ouais, mais du coup, je peux envoyer que sur le côté. On peut faire des figures et tout. Sur toi, Carap. Allez, hop! On peut envoyer que sur le côté et vers le haut, du coup. Très dur d'envoyer vers le bas sur ce stage. Ça va être dur, hein. Ouf! Le bouclier n'aura pas apprécié, hein. Dommage. Ce combat va être long, je le sens. Ah, ça va. Est-ce que vous savez faire ça ? Inouï. J'ai pas eu l'occasion, car de toute façon, avec les cadeaux que j'ai reçus, on va dire que c'était le Noël imaginaire, hein ? Ah, merde. Visage qui fait le hic des. Triste. Tu vas recevoir tous mes cadeaux, un petit peu à chaque fois, visage très visage, c'est un peu nouiel à chaque instant. Mouyel. Le stagiaire a du mal à lire Noël. On vient là. On en finisse. Merde, ça touche. Ah si, ça marche quand même. Ah oui, donc s'il y a assez de recul... Ça peut quand même passer au travers de l'eau. Attention, hein, Samus. Eh merde. Ouais, hélas, un perfect shield là-dessus, c'est pas très utile. Merde. Oh, bien joué, bien joué. Bien joué, cette petite patience. La patience est une vertu en Smash Bros parfois. Alors, on va passer de l'autre côté, hein, c'est mieux. Ce terrain est complexe à jouer quand même. Aïe aïe aïe. Putain, je me laisse totalement... Ça tue, ça? Très étonnant. Je savais pas que son air était si puissant.
Neutral air, pour ceux qui savent pas ce que veut dire mer, tout ça. C'est-à-dire le coup neutre lorsqu'on est en mer. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser un petit peu ce genre de terme sans vraiment expliquer à chaque fois. Mais en même temps, si j'explique à chaque fois que je le dis, compliqué. On apprend petit à petit. Bon, Carab, deuxième match. Si j'arrive à venir, tu me laisses gagner. Bob Ronald, t'as pas besoin que je te laisse gagner, voyons. T'as vraiment pas besoin. Mais tu travailles pour venir. Attends, c'est le vrai Bronol ou pas? Parce que le vrai Bronol, dira-t-il vraiment ça? T'as tout simplement inouï. Attends. Oh, Snack! Tu as perdu une raison de te taire au Mégaloul. Quoi? Alors, Snake, par contre, vraiment, je le joue jamais. Donc, on va voir ce que je vais réussir à faire avec lui. Après, il est pas mauvais comme perso. Hein. Je voulais pas faire ça. Comment? Aïe aïe aïe. Je sais pas jouer avec Snake. Franchement, je l'ai tenté pour le loul, parce que je voulais me débarrasser de la mine que j'avais sur la gueule. Et, par contre, je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour mettre une mine sur quelqu'un. Et je suis assez content que ça ait réussi quand même, parce que j'avais quand même plus de chances de mourir moi-même que de la tuer elle. Hein. Mais alors, j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on fait pour coller une mine sur quelqu'un. Je crois qu'il faut... Attendez, il faut que je teste un truc. Tiens, viens là. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon missile? Il est parti dans une direction terrible. Je ne sais que faire de ce match. Tout simplement inouï. Imagine donc, tu es le courageux pilote de ton stream bravant mille dangers et lags, et moi le valeureux copilote, accompagnant chacune de tes aventures avec servitude des coups de pièces d'âne la tronche. Ne forme-t-on pas une belle paire de visages souriants? Ya. Dommage. Je voulais pas faire ça. Si je peux le faire. Oh. Je me suis trompé de smash, je voulais faire un smash vers le bas. Smash vers le haut, pardon.
Ah, ah, mon tech qui n'est pas passé. Ah, bien joué, Carap. Continuez à envoyer des messages individuels lunatiques, ça le perturbe, c'est clair. Merci, hein, Carap, des bisous. Un partout. Alors, il y a combien, du coup? Kouti qui a dit 3 euros. Et qui a perdu. Je sais pas pourquoi j'ai dit perdu. Bon, qui m'ont donné, tout simplement. Merci beaucoup, les gars. J'ai dit 15. Et du coup, le suivant, il est quelle heure? À 23h, il va falloir penser à dormir un jour. Te lève, fais-le. Te lève, fais-le. Bienvenue à toi. Excusez-moi. Alors j'ai quoi? J'ai chic? Oh là, chic. Compliqué le chic, hein. Clairement pas l'un de mes persos du cœur. Et contre Pokémon Trainer, ça va être d'autant plus compliqué. Va falloir que je m'adapte. Mais clairement, chic, c'est un bon perso à la base. Va juste falloir que je sache quoi faire. La dernière fois que j'ai eu Chic dans un random contre random, c'était pas une belle expérience. C'était l'un des matchs les plus mauvais que j'avais fait de la session. Ce qui est vraiment frustrant quand on sait que je joue un bon perso. Mais vraiment, je sais pas le jouer. Quoi, tout ça passe, ça? Bien joué, ça. Oh, dommage d'avoir fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? En fait, je sais pas finish avec Chic. Pourquoi il a une voix si pourrie, air bizarre? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? C'était bien quand ils disaient air bizarre. Ouais, non, comment ça? Quelle indignité. Moi aussi, je vais faire pareil. Voilà. Égalité. Il y a un buffer terrible hein, dans le online. Le buffer, pour ceux qui savent pas, c'est... parce que je l'ai appris il y a pas longtemps, donc j'éteins la science. Mais quoi? Mais c'est pas ce que je demande. J'allais dire, il est pourri sur le petit clan, il est bien. Mais il n'était pas adapté à mon placement. Oui, le buffer. Le buffer, c'est lorsque tu appuies sur des boutons. Non, mais là, par contre, ça me casse les couilles. Tout simplement inouï. Oh putain, je commence à avoir l'accent du subcogne. Moi, j'aime bien le bon saucisson et le bon vin et le bon pain. Et le bon jeans bon du pays peu cher cogne. Moi, y apporte le sud en bouteille. Pas le sel, tu vois, mon petit putain, saligo mais... à la mort, moi, le nœud. Mais c'est horrible, chic. Pardon, excuse-moi, mais là, je suis trop concentré sur ce combat. Horrible, chic, hein, en termes de... En termes de renvoi. Du coup, j'ai toujours pas expliqué ce que c'était, le buffer. Lorsque t'appuies sur une touche, alors logiquement, il se passe un truc, tu vois. Et bah, le buffer, c'est. Lorsque t'appuies sur une touche, s'il y a un petit lag ou s'il y a quoi que ce soit, et bah, ça. L'action va se faire genre dans une ou deux secondes. Et ça arrive vraiment parfois que j'ai demandé un truc au jeu, mais qu'entre temps, bon bah voilà, je me sois fait taper, ou alors il y a quelque chose qui m'est empêché de faire l'action. Et bah, parfois, une seconde et demie plus tard. Il y a du buffering, ce qui fait que, l'action que j'ai... Au secours! Oh, le con! Oh, le con, parce que là, vous voyez, alors... Parce que je n'agis pas à chaque fois. Vous allez voir. Merde. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez, là. Non, vous voyez pas, parce que la caméra, c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Mais ce putain de message en plein sur mon téléviseur, à chaque fois, au bout de 2 heures, ça me casse les couilles.
Ça me casse les couilles. Et là, il me demande encore si je veux éteindre mon téléviseur. Mais non, putain. Non, je veux pas l'éteindre, mon téléviseur. Je veux jouer. Je veux jouer aux jeux vidéo, moi. Ah là 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 là. Bon, du coup, je me suis quand même débrouillé avec Chic, même si c'était honteux, cette fin. Oula, mais Technicht ! Je l'ai pas joué depuis 1953. Ah oui, c'est vrai qu'il a bien changé. C'est vrai qu'il est beaucoup plus rapide maintenant, mais c'est beaucoup plus suicidaire. Bon, on va voir ce que je peux faire de ces informations. Je vous avoue, je sais vraiment pas du tout ce que je vais pouvoir faire dans ce match, mais... Tout simplement inouï. Bon, trêve de mondanité, passons au vif du sujet. Que pensez de la nouvelle Switch Pro qui va sortir cette année ? Visage tirant la langue. Quoi, Switch Pro ? Qu'est-ce que c'est que cette idée, cette connerie ? Aïe aïe aïe. Putain, à chaque fois les contres qui passent bien. La joue à trèfle. Bon contre. Avec mes techniques, je sais pas comment confirmer un kill, moi. Ah bah comme ça, peut-être. Ouh, j'ai l'impression que la limite vers le haut du terrain n'est pas très grande ici. Quoi ? Ah, il y a un certain lag après ce coup, je sais pas. Je redécouvre un petit peu Metal Knight. Je joue pas assez. En fait, les personnages, tu peux pas tous les connaître hein, vraiment dans ce jeu-là. Parce que même si tu les joues tous, bah il se passe tellement de temps entre le fait que tu joues chaque personnage que tu finis par en oublier. Hein. Désolé, c'était un petit peu lâche, j'avoue. Merde. Je voulais descendre, mais je peux pas. On peut pas descendre. Vachement assis ce que je fais. Oh, bien wesh. Bien wesh. Ah je peux cancel le fait d'attaquer. Ah j'aurais pu le faire si j'avais su. Parce que du coup j'ai pas eu le réflexe de cancel. Parce que j'ai vu en fait, au moment où je me suis téléporté, j'ai vu qu'il a lancé son contre. Si j'avais eu les réflexes et la connaissance, j'aurais pu cancel le fait que c'était une attaque et je me serais pas pris le contre. J'aurais peut-être même pu punir derrière. Ça c'est pas garanti ça. Allez hop, ça part en prol. Je vais me battre, hein. Tout simplement inouï. De l'amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien, mais je sais bien qu'ils seront tous boutés hors de France, excepté ceux qui y périront. Citation de Jeanne d'Arc. What the fuck. Merci pour le soutien. Merde. Oh, dommage. Oh non. C'est bon, il revient. Pas mal. Je l'ai feinté, je lui ai fait croire que j'allais attaquer, alors que pas du tout, c'est juste une petite téléportation dans le vide. Ah là là. Ouais, t'es chaud hein, ce match, hein. C'était pas gagné. C'était pas gagné du tout. Du coup, merci Temno et merci Zirconis pour les petits dons de 1 euro. Des zombies. C'est bien. On a fait deux combats, trèfle. On dirait qu'on a fait le combat. Du coup, tu peux laisser ta place à quelqu'un d'autre. Il est quelle heure, là ? Ouais, il y a un moment où il va falloir que je m'arrête, hein. 120 KO, hein, quand même. Ça veut dire que j'ai quand même fait pas mal de matchs. Au bout d'un moment, il faut penser à dormir. Et le dernier des combats de ce soir, ce sera contre Canon. Du coup, vraiment, des gros bisous et... Désolé à ceux qui ne pourront pas ce soir jouer contre moi. Je peux pas trouver un principe plus
plus simple et... Ah, t'es sûr pour Mario Canon? Ouais. Je peux pas trouver un principe plus équilibré, en fait, pour que tout le monde ait sa chance. Je peux pas trouver un principe plus équilibré. Même si j'ouvrais plus de slots dans l'arène, ça changerait rien. Ça changerait vraiment rien. Du coup, voilà, hein, c'est... Après, je pourrais trouver un qui serait plus équilibré, c'est de faire des listes et tout, mais alors là, ça me prendrait des heures avant le stream. De faire une liste où les gens s'inscrivent et tout, et... Ce serait l'enfer, moi, et... Je prends déjà beaucoup de mon temps sur les streams, il faut qu'à côté, je puisse travailler sur mes vidéos et tout. Encore chic, au secours. Du coup, voilà, malheureusement, je peux pas trouver un principe plus simple et plus... plus équitable que celui-ci. Mon chic... Oh, non, tout simplement inouï. Je vais avoir du mal sur ce terrain. Non mais oh, c'est qui fait des soutiens à ma place? Visage pas content, c'est Moa, le souteneur attitré par Moa de l'Inate. Attention à vous, un visage méfiant et surveillateur. Au secours. Au secours. Merci beaucoup. Oh bah dis donc, Canon. Ok, je cerne le personnage. Ah ouais, carrément. La vie vaut-elle le coup de l'être vécu finalement? Ouais, ça spam le ça spam l'aérial bas. Canon peut-être finalement nouveau joueur. Attention à ne pas être trop prévisible, Canon. Si tu spams trop les mêmes coups, on finit par savoir ce que tu fais. Idiot bête que je suis. Quoi? Ouf. Quoi? Comment? Mais à qui donc? C'est pas grave. Eh, hey, je vais peut-être finir par m'habituer à chèque à force, hein. On sait pas. Ah oui. Le crabe de chic qui fait 1 cm. Ta gueule, Ashley, arrête de chanter. Pourquoi je fais ça? Oh, je voulais pas faire ça, mais écoute, ça va marcher quand même. Par chance. Aïe 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 aïe, ou quoi, ça va suffire ça? Ah non, c'était pas un coup de boomerang, c'était un coup d'épée, tout va bien. Je pensais que c'était un coup de boomerang, je comprenais pas pourquoi ça m'en met si loin. Des shops si pauvres. Je crois que ça chope vers le boss, c'est une des plus puissantes en fait. Hein. J'essaie de faire un truc stylé, bon, j'y arrive pas, voilà. Ça va tout le monde. Hein. Quoi? Merci bien, quand même. Temno, merci. Papy cosplay. Je sais même plus si j'ai encore le mythe Papy cosplay. Je crois que oui, mais... C'est dégueulasse. Coucou. Salut Wolf. Allez, dernier match du coup de ce soir. Dernier match. Et j'ai donc Lucina, j'aurais préféré Pac-Man, mais c'est pas grave, Lucina elle descend pas. Oh, c'est pas... On va voir ce que Canon sait faire avec Pac-Man. Peut-être que ce sera mieux pour lui, qui sait. Ouf.
va te calmer. Ça, ça me voit dans tous les sens, hein. Ça, c'est bien les jeunes, hein. Hop là. Tu ne reviens pas chez toi. Voilà, bim. C'est ma maison maintenant. C'est un combat pour le manoir de Luigi. J'en fais une affaire personnelle. Je veux cette maison. Pour pouvoir rencontrer l'illustre Luigi un jour. Tout simplement inouï. Petit jeu pour toi public, essayez de deviner le visage que je fais avec un emoji de qualité, visage circonspect et magnanime. What? Ça rien de tech ici. Merde. C'est jamais, hein. Merde, je vais pas faire ça. Deuxième fois. L'histoire se répète. Oh, bien joué. Bien lu, ça. Bien joué de lire ma... mon contre. Aïe. À vouloir jouer avec la bouche incendie là-haut. Forcément. On se concentre plus sur le pompier. Tu n'es ni ceci n'est pas un suicide. J'aimerais tellement réussir à lui briser son shield. Ouf. Eh bien merci Canon pour ce match. 6 MW. J'espère que vous avez passé tous un bon moment sur ce petit live du Random vs Random. Je vais très vite fermer la room avant que certaines personnes soient dégoûtées de réussir à rejoindre. Parce que imaginez là qu'il y a un mec qui tryhard et qui a pas compris que c'est fini. Il va rejoindre la room et je vais dire ah non, casse-toi. Ce serait triste, en tout cas. Voilà, merci à tous pour ceux qui ont patienté jusqu'à la fin et qui ont malheureusement pas eu la chance de venir. J'espère que vous aurez cette chance la prochaine fois. Voilà, je suis désolé, hein, c'est comme ça, c'est le concept, c'est l'aléatoire, hein, c'est random à 100 milliards de pourcents. Sur ce, des gros bisous YouTube, à bientôt, et nous sur Twitch, on peut rester là.